Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de comment garder de la proximité avec vos clients. Alors vous allez dire que c'est peut-être une vidéo un peu particulière, mais c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand vous commencez à avoir des clients, eh bien, bien souvent, au début, on répond à ces clients qui vous envoient un email ou même ceux qui posent des questions qui ne sont pas encore tout à fait clients, on prend le temps de le faire. Mais dès qu'on commence à avoir beaucoup de clients, ça devient difficile, ça devient compliqué de pouvoir se concentrer à cette tâche-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que bien souvent, on va déléguer le service client, ce qui est totalement logique. Mais très souvent, moi, ce que j'ai pu voir dans des personnes qui ont des grosses communautés de clients, que la personne fait la promotion de sa vidéo, fait la promotion de son produit, mais derrière, dès que vous le contactez, la personne ne répond jamais. Et ça, c'est absolument une grosse, grosse erreur. Alors, on peut avoir un melon comme ça parce qu'on réussit et faire de l'argent sur Internet, mais il ne faut pas oublier une seule chose, c'est que sans client, vous n'êtes rien. Donc, il faut quand même bichonner le client. Il y a certains clients qui sont peut-être parfois pénibles. Ces clients-là, bon, il faut savoir quand même les gérer, mais globalement, n'oubliez jamais que vos clients, c'est les clients qui vous font vivre. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous torcher avec. Il faut absolument avoir une proximité. Quand je dis proximité, ce n'est pas de partager avec toute votre life avec vos clients. Simplement, c'est d'être quand même proche. C'est-à-dire qu'une personne qui vous contacte une fois pour poser une question, répondez, essayez de répondre. C'est bien de déléguer, il faut déléguer parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Mais globalement, imaginez la frustration de la personne qui vous voit en vidéo, qui vous voit dans votre programme, qui achète votre programme et lorsqu'elle vous contacte, derrière, c'est soit silence radio, soit c'est une personne complètement opposée qui répond. Alors, si vous avez délégué, bien sûr que ça va être la personne qui est à ce poste-là qui va répondre. Donc, forcément, le client, sur le coup, il va peut-être être un peu frustré que ce ne soit pas vous qui répondez. Mais dans l'immédiat, il aura une réponse. Maintenant, s'il veut aller plus loin, cette personne peut demander à vous contacter vous-même. Si la demande est pertinente, je pense qu'il est intéressant d'avoir un œil sur son service client et de pouvoir apporter des réponses aux questions de vos clients. Je vois bien souvent que moi personnellement j'ai des clients, j'ai pas mal de clients et qui m'envoient donc des mails assez régulièrement. C'est vrai que c'est une tâche assez chronophage et qui prend quand même du temps. Mais je prends malgré tout le temps de répondre. Alors c'est vrai que si vous on suit les conseils de personnes qui prônent le fait de déléguer énormément de choses pour se consacrer à sa zone de génie, eh bien effectivement c'est pas une tâche qu'on va vous conseiller de faire. Malgré tout, moi je garde un œil sur mes emails parce que je tiens absolument à voir un petit peu quelles sont les demandes déjà. Quels sont les clients qui me contactent et leur répondre. Alors bien sûr, je ne fais pas un paragraphe de 3 km et je ne mets pas 3 heures pour répondre. Mais je montre que je suis là parce que moi, je tiens à les remercier déjà de leur gratitude d'être client dans mon programme. Mais en plus, je tiens à leur montrer que même si j'ai pas mal d'élèves, je suis quand même là. Alors effectivement, je ne peux pas répondre à tout le monde et dans l'heure qui suit, mais je prends le temps vraiment de répondre à chacun des emails. Moi, c'est ma façon de gérer. Après, chacun fait comme il le veut. Mais je vous conseille vivement de prendre le temps quand même de répondre à vos clients. Parce qu'un client fédéré, c'est un client qui rachètera chez vous. Et si le client se sent, disons, unique et se sent, on voit qu'il voit que vous êtes sensible à ce que votre client, à ce que le client envoie comme email et que vous répondez, la personne, elle va être en général assez enclin à reprendre des produits que vous proposez ou à suivre un petit peu les nouvelles formations que vous proposez. Bref, c'est pour vous dire que vous devez absolument vous concentrer sur vos clients existants et répondre à ces emails. Donc, vous pouvez déléguer, j'avais noté les tâches, mais soyez authentique quand vous répondez, soyez authentique avec vous-même déjà. Ça ne veut rien dire, mais soyez authentique dans le sens où quand vous faites la promotion d'un programme, d'un produit, de l'infoprenariat, des vidéos YouTube, etc., soyez quand même derrière pour répondre à vos clients. C'est très important parce que vraiment, vous allez voir que vos clients vous le rendront tôt ou tard. Alors attention, il y a encore une fois dans l'eau des clients qui sont un peu particuliers parfois à gérer, mais très sincèrement, c'est la meilleure manière de pouvoir leur montrer que vous êtes là. Et surtout, eh bien, les prochaines fois que vous allez envoyer des emails avec votre programme ou nouveau programme à acheter par exemple, eh bien, ces gens-là seront là. Et vous allez voir vraiment que leur répondre, c'est parfois pas grand-chose, mais ça apporte une grosse valeur. Donc, je vous conseille vivement de déléguer une partie de votre support, certes, mais soyez toujours attentif et ayez toujours un œil sur les questions posées ou en tout cas, essayez de prioriser et demander à votre service client qu'il vous fasse passer ou transmettre les emails des personnes qui insistent pour vous parler parce que c'est important vraiment que vous puissiez donc communiquer et être là pour répondre aussi à votre programme, présenter votre produit, etc. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est quelque chose d'anodin, mais vraiment, vous allez voir, sur le long terme, ça va vous rapporter du business. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent parce que les clients vont vous faire confiance. Donc, appliquez-le dans votre activité. Vous allez voir que c'est rentable de faire ça sur le long terme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.